Olaction. Oui, voyez, j'y retourne en ce moment. Olaction et puis un tout petit peu de chez Pickwick. Tout petit, comme ça. Voilà. Donc là, Action, j'y suis allée en deux fois. Mais du coup, j'ai attendu, j'allais pas vous faire une vidéo pour un petit peu et encore un petit peu. Donc j'ai préféré grouper. Bon, il n'y a pas énorme, hein, je vous rassure. Enfin, je vous rassure. C'est surtout mon banquier que je rassure. Il n'y a pas énorme. Mais j'étais partie ce matin à Action pour avoir quelque chose. Et puis bon, ça va, j'ai trouvé. Je voulais un tampon, des tampons Happy Birthday. Et j'ai trouvé et j'ai trouvé aussi des dyes Happy Birthday. Donc je vais vous montrer ça et j'ai trouvé d'autres choses. Alors, comme je parle des tampons, ben, on va commencer par ça. Alors par contre, j'ai pas mon ticket de caisse. Non, je l'ai pas. J'ai pas le ticket de caisse. Mais bon, c'est toujours à peu près la même chose. Hein. Vous savez les prix hein, maintenant, de toute façon, Action. Hein. Alors, j'ai trouvé celui-là. Par contre, celui-là, je ne l'avais pas vu la dernière fois. Donc, je l'ai pris. Vous savez, quand j'avais pris les petits chats et puis le tampon, il y avait le petit renard, le petit renne, tout ça. Et là, aujourd'hui, oups, ça reflète. J'ai trouvé celui-ci avec les papillons. J'ai trouvé qu'il était super beau. Donc, bon, je vous dis plus les phrases en anglais, hein, parce qu'avec mon accent, vous voyez, je vous le montre, comme ça, c'est plus facile. Voilà. Avec mon accent anglais, comme une vache espagnole. Donc, ça, c'est, je crois que c'est 99 centimes, ou 89. Ici, alors, il y a un dies et les tampons. Alors là, c'est un happy birthday, il y a un merci, il y a un happy. Et il y a le petit dies, voilà, pour aller avec ça. J'aime bien, c'est parce qu'il y a un tampon un peu qu'on peut servir en fond. Faire un petit fond de carte en tampon. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si c'est nouveau, mais bon, je l'ai vu aujourd'hui. Donc ça, c'est un 99, je crois. Je crois. Si je me trompe dans les prix, ne m'en voulez pas. Alors, dies. Alors, j'ai trouvé un dies, donc Happy Birthday. Et donc, il y a les bougies, il y a les petits ballons. Voilà. Donc, les bougies, l'Happy Birthday, bien sûr. Ça, je ne sais pas ce que ça peut être. Ah, ben, le gâteau, peut-être. Ouais, un gâteau. là. Ah, ben oui. Oui. Là, pour faire le coulant du gâteau. Ouais, bah, c'est ça alors. Ça, c'est les. Donc, ils sont. Ouais, vous coupez. Alors, il y aura trois morceaux. Et après, vous formez votre gâteau. Et vous le décorez. Donc, avec ça. Voilà. Puis, avec les petites bougies au-dessus. Et il y a donc, il y a deux ballons. Et le Happy Birthday. Voilà. Donc ça, par contre, ça, je sais que c'est beaucoup plus cher. Ça doit être dans les 3,90 € si je ne me trompe toujours pas. Ici, c'est pas un Happy Birthday, mais bon, je le mets bien parce que voilà. Donc c'est une rosace avec un papillon et il y a un thank you à découper donc avec le dies. Donc la rosace, ça va faire ça. Oui. Voilà. Et le papillon aussi. Sur le gâteau, je ne sais pas s'il y avait le dessin d'elle. Ah bah oui, si, ça y est. Alors par contre, là, la phrase n'est pas bonne, hein, mais voilà. Voilà ce que ça vous fait le gâteau. Vous voyez? Alors pour les tampons, les dies, c'est tout. J'ai repris les alphabets. Les alphabets, on en a toujours besoin. Donc, je les ai tous pris par deux paquets. Alors, d'abord les bleus, comme ça. Enfin, c'est bleu turquoise. Voilà. Donc là, j'en ai pris deux paquets. Hop, comme ça, deux paquets. Parce qu'après, bon, ben, il nous manque toujours des lettres. Hein.
Je les ai pris en rose, comme ça. Désolée, hein, ça reflète, mais j'ai ma fenêtre qui est devant moi. Voilà, avec les chiffres, il y a quand même des petits points d'interrogation, d'exclamation. En argenté. Voilà. Un petit... Dommage, j'ai pas trouvé en doré. Il n'y en avait plus. En rose plus foncé. Donc, fuchsia. Donc, toujours par deux. Et en noir. Bon, le noir, on l'utilise moins, mais bon. Bon, voilà. Ensuite, je vais refaire un paquet de cartes, les cartes, les enveloppes, comme ça, mais là, avec les couleurs pastel. Voyez, donc, vert pastel, le rose, un marron clair et un beige. Bon, ça, j'en ai toujours besoin aussi. Hein. Là, c'était le dernier. Donc, quand j'avais été dans la semaine, il n'y en avait plus d'autres, mais au rayon Noël. Donc, c'est les cartes stock 30-15. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a comme motif. Alors, on va montrer comme ça, dans ce sens-là. Donc là, il y a des phrases. Ben, c'est « Happy Holiday »,« Merry Christmas », voilà, tout ça. Comme ça. Donc, il y en a un avec du fol. Là, il n'y en a pas, bien sûr. C'est toujours un avec du fol et trois sans que ça brille. Voilà. Donc là, c'est des petites étoiles avec des petits sapins. Donc là, sans le fol, les étoiles sont rouges. Là, du hou. Donc là, le hou est vert et rouge. Celui-là que j'aime bien. Super beau. C'est dommage qu'ils mettent qu'une seule page. Ils devraient faire deux et deux au lieu de faire un et trois. Mais bon. Donc là, c'est sans le fol. Ici, des rayures. Donc là, toujours sans. Celui-là est joli aussi. Il est discret, mais il est beau. Un petit pois. Donc là, les petits pois sont blancs. Des fines rayures. Il est super beau aussi, celui-là. Donc, après, ça fait ça. Les petits flocons de neige. Flocons de neige comme ça. Et c'est tout. Voilà. Donc, ça, c'était celui-ci. Je sais plus les prix là. Ensuite, c'était mercredi, je crois que j'avais été pour le cardstock et les alphabets. Et j'avais trouvé, ils ont mis mercredi en promo, donc il y en a encore aujourd'hui. Demain, ce sera fini, ils ne seront plus en promo. Les agendas 2020. Alors là, j'ai trouvé la couverture super belle. Et ça, par contre, je crois me rappeler du prix. Ça devait être... Ah tiens, j'avais même pas vu qu'il y avait ça. Ah, cool. Je vais vous montrer. ça devait être 1,49€, je crois. Donc, c'est à spirale. Hein. Voilà. Bon, bien sûr. Oui. Alors, vous avez les fêtes. Vous avez les fêtes là, en Belgique, en Allemagne. Est-ce qu'ils ont mis les françaises? Oui, ils ont mis les fêtes françaises. Après, même en Pologne. Alors, les calendriers, là, en 2020-2021. Là, pour planifier son mois. Donc, janvier, février, voilà, il y a jusqu'au mois de décembre. Alors, l'agenda, voilà comment il est, avec des grandes colonnes, une colonne par jour. Donc, c'est bien, il y a assez de place pour noter.
Bon, là, bien sûr, vous avez tous les mois. Hein. Donc, je pars à la fin. Alors, à la fin. Alors, vous avez... À la fin, ça recommence par le mois de janvier 2021. Voilà. Ça vous permet de faire la transition pour l'année d'après. Alors là, c'est quoi? Date, temps, rendez-vous. Bah, c'est des pages pour marquer des rendez-vous. Bon. Voilà, à la fin. Ici, des carnets d'adresses. Et là, pour noter les anniversaires, mois par mois. Ça, c'est bien. Parce que on oublie des fois les anniversaires. Donc là, ben, il y a jusqu'en décembre. Ensuite, vous avez une page pour marquer tous les sites web que vous préférez. Les emails. Il est quand même bien complet. Hein. Je n'avais pas tout vu, je n'avais pas tout regardé. Là, vous avez deux pages de notes. Et ce que je n'avais pas vu, ben, il y a trois pages de notes. Alors, vous avez, je vais mettre comme ça, hop. Une première, c'est des pochettes, ça, ou c'est, alors, ouais. Vous avez deux pochettes transparentes, comme ça. Voilà. Vraiment pas, c'est vraiment bien. Non, même trois, attendez. Une, deux, oui, trois pochettes transparentes. Et une pochette qui, avec un zip. Vraiment, vraiment top. Ils se sont un peu inspirés ben, des planeurs. Mais là, en agenda. Je ne regrette pas. J'aime bien. Et j'adore la couverture. Donc, je vous dis, là, en promo, jusqu'à ce soir, ça devait être 1,49€. Alors, au même prix, il y a des plus petits. Alors, tant qu'à faire, pour prendre au même prix, j'ai pris le grand. Et puis, au moins, un grand, ça va mieux pour écrire. On a plus de place. Donc, voilà. Ensuite, j'ai repris des cartes stock métallisées. Donc, j'ai pris celui-là et celui-ci. Alors, je pense que c'est des nouveaux. C'est des nouveaux pour moi, parce que moi, j'ai encore les anciens. Et là, je les trouve vraiment mieux, ceux-là. Alors, on va essayer de mettre comme ça. Donc, je crois qu'il y a deux, une, deux, trois. Ah, ben, il y a quatre pages de chaque. Voilà. Là, c'est le fol un peu cuivré. Bon, là, c'est un mat. Un doré. Un argenté mat. Un argenté brillant. Et ce que j'ai bien aimé, c'est ça, le noir. On en a, c'est la première fois ça que je vois le noir. Et donc, pareil, mais là en couleur. Donc, on a du bleu, du violet. Voilà, du violet comme ça. Du rouge. Du vert. Du fuchsia. Et voilà. J'aime bien. Ensuite, j'ai trouvé... Alors là, j'étais contente. J'en ai pris deux. Comme ça, je suis tranquille. Des feuilles de blocs de scrap 30-30. Donc celui-là, je pense vraiment que c'est à nouveau. Et j'adore. Alors, c'est des pages recto. Hein. Alors, je vais mettre dans ce sens-là. Voilà. Vous allez voir pourquoi j'adore. Les pages sont assez simples, mais moi, ça me va. Voilà. Et
Donc on a des Happy Holiday, Happy Make Me, Hello Beautiful, tout ça. Donc vous l'avez aussi, mais en folle. Bon, ensuite, on repart sur des pages. Donc c'est toujours une folle, une sans folle. Folle, folle, bon. Voilà. Et ici. Voilà. Et là, en brillant. Les petits points. Oh, celui-là fait mal aux yeux. Ouf. Et le dernier. Voilà. Donc ça, j'en ai pris deux. Voilà. J'ai pas vidé le rayon. Et pour terminer, pour action, voilà. J'ai pris les kits Noël. Donc là, je vais pas vous les déballer, mais je vais vous montrer derrière ce qu'il y a. Donc, là, c'est la version dorée. Alors voilà ce qu'il y a dedans. Les die cuts. Les tags, des feuilles. Là, c'est du papier, c'est des feuilles aussi. Alors là, j'aime bien parce que regardez, ces deux-là. Après, vous avez des stickers et des clochettes. Voilà, les clochettes sont là. Petite clochette avec la petite ficelle. Je sais pas combien j'ai payé ça. C'est sur mon ticket, pareil. Et là, donc, c'est la version argentée. Donc, en version argentée, voilà ce qu'il y a dedans. Toujours les die cuts, les feuilles, le Père Noël, les tags, les stickers, encore c'est des demi-feuilles, ça. Voilà, ouais, chercher. Et toujours des clochettes, mais là, donc, c'est des clochettes argentées. Donc, pour action, voilà, c'est tout. J'étais sage, hein. Oui, hein. Et, donc, dans la semaine, on était passé à Pickwick, chercher je ne sais plus quoi, qu'on n'a pas trouvé. Donc là, comme j'en avais plus, je me suis repris un pad de Styleson. Alors, pareil, les prix là-bas, c'était dans les 7 euros. Ouais, c'était dans les 7 euros. J'ai trouvé un peu cher, mais bon, il m'en fallait. Et j'ai repris de la Fimo. Oui, je vais refaire un peu de Fimo. Donc, c'était 3 achetés, 1 gratuit. Donc, j'ai pris des couleurs que j'avais pas. Bon, là, on voit pas bien. Ça, le rendu ne donne pas bien, je vois, à la caméra. Donc, ça, c'est la couleur Merlot. Le Royal Violet. L'Antique Rose. Et le Vert Olive. Voilà. Donc bon, pour l'instant j'ai encore un gros stock de Fimo, mais j'ai envie d'en refaire un petit peu. Et peut-être des bijoux, je ne sais pas. Je verrai. Pour changer un peu de ce que je fais en ce moment. Donc voilà. Donc c'était mes petits achats. Donc là, il n'y en aura plus avant le mois prochain. Le mois prochain, je verrai avec les nouveautés, hein, puis si j'ai besoin, de toute façon, je ne vais pas acheter pour dire d'acheter. Ça, c'est terminé, je ne le fais plus. Là, tout ce que j'ai pris, tout ce que j'ai choisi, c'est parce que je sais que je vais m'en servir.
Donc voilà. Parce que je ne fais plus des stocks inimaginables que, vous voyez, après, j'ai tout revendu. Donc, ce n'était pas la peine. Donc, voilà. C'était ma petite vidéo haul pour aujourd'hui. Dans la journée, je vais sûrement vous faire une vidéo pour une carte. Je vais faire une carte avec vous. Je dois faire une carte. Donc, je la ferai certainement en vidéo. Et puis, ah si, c'est ça que je ne vous avais pas montré quand je suis revenue du salon. Au salon de Carvin, il y a une association qui vend des choses de scrap, tout ça. Et il n'y a que chez eux, à eux, que je trouve ça. Je n'en trouve pas nulle part ailleurs sur Internet. Donc, s'il y en a qui savent où on peut en trouver, dites-le-moi. Parce que moi, j'adore ça. Et quand j'ai vu qu'elle était au salon, à la fin du salon, j'ai tout de suite couru. Mais j'aurais pas dû y aller à la fin parce que du coup, elle avait plus grand-chose. Donc, c'est les petits stickers comme ça. Vous voyez ? Pour mettre sur les cartes. Et j'adore ça. Parce que bon, ben, on a vite fait de faire une carte, de mettre le stickers, puis de décorer à côté. Donc là, c'est Joyeuse Pâques. J'ai trouvé pour la fête des mères. Donc ça, c'était pas cher. C'est 60 centimes la feuille. Pour le mariage. Donc c'est Heureux mariage. Pour les bébés. Donc, bienvenue à bébé, et puis les félicitations. Là, j'en ai pris deux pour les bébés. Bon, c'est rien. Et j'ai trouvé un bonne année, enfin. Mais il n'y avait plus de Noël, par contre. Voilà, bonne année. Et un, ben, on ne sait jamais, ça peut servir. Je peux peut-être faire des cartes là-dessus. Hein. Je sais que... des fois on envoie des cartes pour ça et condoléances. Voilà, donc bon, là j'en ai pas pris beaucoup, j'ai pris qu'une feuille, mais bon, donc ça, j'adore ça. Alors, si vous savez où on peut en trouver sur Internet, parce que je cherche, mais je ne trouve pas, donc dites-le-moi en commentaire. Voilà. Bon, ben là, ça y est, c'est sûr, j'ai terminé. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous parce qu'aujourd'hui, j'ai encore plein de boulot. Je dois faire la carte. Je dois continuer mon cartonnage, mes deux commodes. Je suis arrivée pour les deux commodes. Je suis arrivée au niveau des tiroirs maintenant. Donc, ça commence à bien avancer. Et puis, je dois encore vous faire une vidéo. Bon, je vais quand même vous en faire une malgré que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs sur YouTube. Bon, moi, j'aurais fait la mienne. Pour le... Et je n'ai pas encore déballé pour la machine. J'ai toujours pas trouvé. Elle m'a dit qu'elle va en avoir, mais bon. Les rouleaux de folle. Mais sinon, j'en achèterai sur Internet, hein, d'une autre marque. Ça, c'est pas un souci. On verra bien. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très, très rapidement. Et ben, je vous souhaite une bonne journée sous le soleil, j'espère. Comme nous, dans le Nord, aujourd'hui, on a du soleil. Donc, il faut profitez-en. Allez, bisous, bisous. À bientôt.